C'est bon, vous faites un ticket tout ça avec des gants. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abraham. Abraham. Et toi, comment tu t'appelles? Ebenezer. Ebenezer quoi? Wow. Ebenezer. Comment tu t'appelles? Agnès Stéphane Ebenezer. Daniel. Moi, mon nom, Comment tu t'appelles? Dizo Barré. Ouais. Tu n'aurais pas dit merci à tes amis en France, ceux qui vous envoient les ballons avec les cahiers et tout ça? Et là, elle a dit merci. Merci à qui? Merci à mes parents qui sont à Abidjan. En France, qui nous envoient les ballons, on les remercie. Que Dieu les protège. Okay. Moi, ça dit leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous amener le gâteau, tout ça. Les cahiers. Tout ça. Je leur remercie. Ah, les règles. Il n'y a pas le cahier. Nous tous, on les remercie. Moi, il y a des cahiers. Nous avons les cahiers. On nous a envoyé que ce cahier, on vous remercie. Amen. Moi, je veux qu'on juste fasse bien qu'on gagne. Au grand vous prend la coupe. Moi, je me nomme Yann Imed de Lambert. Je les remercie parce qu'ils nous ont voués, ils nous ont protégés, ils nous ont à manger. Ils nous ont donné des balles pour jouer au terrain. Je les remercie. On regarde ton corps là-bas. On regarde ton corps là-bas. On dit papa là, vous dites pas. Papa là. Je peux dire simplement que c'est un ouf de soulagement pour les enfants qui sont sinistrés déportés dans ce pays-là. Merci de ce que vous avez fait, merci de ce que ses frères, ses grands frères ivoiriens, un tant soit peu, ont pensé aux enfants. Nous pouvons vous dire merci, nous pouvons seulement vous encourager afin que demain soit meilleur pour les enfants. Merci pour les cadeaux, merci pour les jouets et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Orini Zako Marie Kouya. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kwasi Orini. Comment tu t'appelles? Je me nomme Gwely Fale Cédric. Je me nomme Paul André. Bon ben, on dirait qu'en tant qu'Ivoirien, nous sommes fiers. Parce que nous n'avons pas été abandonnés dans cette lutte-là. Nous avons reçu effectivement les dons. Les dons sont arrivés à bon port. Je remercie en cela l'ONG. Je remercie à cela l'ONG Acte au génocide. Je remercie les fiers Ivoiriens qui sont ici, en l'occurrence le président du camp, le président de la jeunesse, Kofi Moïse, la présidente des femmes, Madame Baya, qui œuvre depuis toujours vraiment pour le bien-être de ce camp-là. Et je dis vraiment également merci à Bigobert qui est tout temps de ce camp. Et donc, je remercie tout le monde. Je pense que avec ces gestes-là, nous nous rappelons de ce combat-là que nous avons mené et du soutien qui nous est favorable depuis toujours. Et que Dieu bénisse les donateurs, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les Ivoiriens et que fièrement nos élèves et nos enfants évoluent pour toujours l'école de demain. Je m'appelle Diade Souariel. Tu es en quelle classe? CM1. CM1. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kassou Fass. Tu es en quelle classe? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bobo Jemiel Eda. J'ai maintenant Gwali Zuko Anjarachi. Gwa Delay Jamak. Olivier Zako Samuel. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mme Marie Noël. Comment tu t'appelles? Asamam Puska. Je parle un peu fort. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gay Jocelyn. Comment tu t'appelles? Gay Junior. Comment? Gay Junior. Jay Onela.
Je m'appelle Léo Gracia, je suis au CFM. Bonjour, monsieur. Révérend. Sami Wangulo. Sami Wangulo. Ce matin, je crois que ça doit être un jour heureux pour vous. Parce que l'ONG Halte au génocide a pensé à vous. Pensez aussi à vos enfants. Vous emmenez les livres, des cahiers, tout ça pour les premiers liens et tout. À chaque fois quand nous venons ici, nous ne nous trouvons pas. Quels sont les mots justes que vous voulez dire à l'ONG Halte au génocide? Vraiment, c'est des mots de gratitude. Parce que nous sommes dans des conditions assez difficiles. Et qu'une ONG qui est en France pense à des Ivoiriens réfugiés, c'est vraiment une grâce de Dieu. Je voudrais vraiment dire merci à tous nos donateurs, nos donatrices, pour ces dons, de grands dons qu'ils nous ont faits. Vraiment, on a reçu le matériel, on est vraiment heureux. Aujourd'hui, ceux qui vous regardent, vos frères, les autres frères qui sont là-bas, quel est votre message pour eux, ceux qui n'ont pas envoyé de dons? Oui. Je voudrais vraiment dire à nos frères qui sont en France, qui sont aux États-Unis, dans le monde entier, de faire des efforts, de penser à leurs frères qui sont restés ici, qui sont réfugiés. Nous sommes dans la difficulté, c'est vraiment la détresse, c'est pas facile. Nous sommes un, nous sommes des Ivoiriens. Eux ont la grâce d'être là-bas où ils sont pendant que nous sommes ici dans la difficulté de guerre. Qu'ils pensent à nous, qu'ils envoient des dons, qu'ils apportent de l'argent, des choses pour qu'on puisse faire des projets ici, afin qu'on puisse vivre assez bien en attendant que, par la grâce de Dieu, le pays soit libéré, qu'on retourne au pays. Bien, dans les camps. Oui, oui, dans les camps, on a par exemple il y a des enfants qui ne mangent pas. Quand ils viennent à l'école, ils sont mal nutris. Les parents ne reçoivent des rations très limitées. Donc, on envoie des moyens pour que ces enfants puissent augmenter leur nourriture, qu'ils puissent se nourrir mieux. Un enfant qui n'a pas bien mangé, comment il peut étudier? Et c'est ces choses-là que nous voulons. Des ordinateurs aussi, le matériel didactique, des cahiers, des livres, tout ce qu'il faut pour l'école. On souhaiterait par exemple qu'il y ait une cantine scolaire ici, pour que les enfants qui ne mangent pas bien à la maison puissent se nourrir correctement à partir de la cantine de l'école. Oui, l'enseignant, c'est quelqu'un qui prépare tous les cours. Pour que les cours soient bien faits, il faut du matériel de pointe. On peut avoir vraiment souhaiter avoir une grande bibliothèque qui sera équipée de bons livres, de grands documents pour nous permettre de travailler correctement avec les enfants. Vous avez combien d'enseignants ici? On a 15, nous sommes 15 au total. Le minimum, si une ONG décidait de prendre les enseignants en charge, quel est le minimum de salaire qu'on pouvait leur donner? Bon, nous sommes dans un pays étranger, sinon en Côte d'Ivoire, autour de 250 000 par enseignant, c'est une bonne chose, mais on est à l'étranger. Mais ici au niveau local, si on peut avoir 600 Ghana par mois, ce serait pas mal. 180 000 francs par mois, ce serait vraiment bien pour les enseignants. 180 000 par mois. Bonjour, je suis Niaoré, l'enseignant de la classe de CM1. Je remercie le HR, les autorités ghanéennes qui nous ont accueillis jusqu'ici, en prélude au remerciement que nous transmettons à Mme Mathilde Tepol. De l'ONG. L'ONG, oui. Acte au génocide. Acte au génocide, en particulier à Mme Mathilde Tepol d'abord et à l'ONG en général, Acte au génocide, à qui nous disons merci pour les dons et pour l'attention que cette ONG porte à l'école de Guillaume, particulièrement au camp de Guillaume. Parce que nous sommes à peu près trois camps en Côte d'Ivoire. Le camp de Fetenta qui est plus au nord, le camp de Ampin qui est à l'entrée à Elubu, et il y a le camp de Guillaume qui est ici près de Cape Coast. Donc parmi ces trois camps, nous remercions l'ONG d'avoir choisi le camp de Guillaume. Et par ma voix, les élèves du camp vous disent encore merci. 2 × 4 2 × 7 ça fait 14. J'ai pris 4, j'ai resté 1. 2 × 3, ça me fait 6. Plus 1, je me fais 7. 2 × 7, ça me fait 10. J'écris 0, je retiens 1. 2 × 4, ça me fait 8. Plus 1, je me fais 9. Je suis à vous ce matin au nom de l'ONG Halte au génocide qui vous a apporté une aide. Oui. Par rapport à vos enfants, oui. Les cahiers, les livres, les BIC, oui. Et aussi aux collégiens. Oui. Quel est votre message pour l'ONG Halte au génocide? Bien, nous d'abord les remercions pour leurs actions et nous croyons que ces actions comme celle-là seront profitables pour chacun des réfugiés, chacun des enfants que vous voyez là. Bien. Ceux qui nous ont reçu, les autres gagnants, ont fait le minimum. Mais Dieu merci, nos frères ivoiriens et des personnes qui luttent pour que des choses qui nous ont menés ici, comme la guerre, ne se produisent plus.
Donc d'abord, nous les remercions. Nous espérons que cette collaboration sera une continuité. Voilà. Nous remercions aussi Madame Mathilde Tepol et son équipe et tous les donateurs qui ont contribué à ce que cela se fasse bien. Voilà. Merci pour tout ce que nous avons reçu et nous vous remercions de votre visite. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Irémi Blaise Alexandre. Quel est ton message pour tes camarades qui t'ont envoyé des cahiers des livres en France? Je les remercie parce que nous sommes réfugiés et nous emmènent des livres. Je les remercie. Quel est ton message pour tes camarades qui sont en France? Mon message pour qu'ils nous envoient des livres et les remercie. Les remercie. Une fille qui peut parler un peu fort, quel est ton message pour ceux qui sont en France, tes camarades qui t'ont envoyé les cahiers, les livres? Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Agie Sangia Olive. Quel est ton message? Je leur dis merci pour tous ces livres que nous ont envoyés. Je leur dis merci pour tous ces livres que nous ont envoyés. C'est M. Jojo Zoukoui, enseignant volontaire ici au camp des Diekrom. Voilà, nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous faites et nous espérons que ça sera une continuité. Merci. Je me nomme Casso Grâce qui m'a appelé Marie Delphine. J'ai 8 ans. Je suis au ciel 1. Bonjour maman Mathilde Tepo. Je profite de cette occasion pour dire grand merci à maman Sylvie Bokeh, à tonton Yves Laurent, à la maîtresse Karine Laurence, Linda, Marie-Hélène et à tous ceux qui ont pensé à nous. Que Dieu vous bénisse. Un long à l'ONG. À l'ONG. Au génocide. Mémoire et justice. Merci. Je m'appelle M. Casso Jean-Philippe Georges-Marie. Je suis l'administrateur de l'école primaire et maternelle de Diekrom Refugee Camp. Dans un premier temps, je dis grand merci. Grand merci à Madame Mathilde Tepo. Grand merci aussi à l'ONG Halte au génocide, mémoire et justice. Grand merci à tous ceux qui ont contribué à ces dons, surtout à l'école, aux différentes écoles qui vraiment ont œuvré pour que nous ayons ça. Comme vous-même, vous pouvez le constater, c'est des dons qui iront directement à leurs bénéficiaires parce que notre école, il faut le dire, avait vraiment besoin de tout ça. Et je suis en train de vous dire aussi que ce n'est pas fortuit si notre école a été choisie. C'est tout simplement parce que de toutes les écoles des camps ivoiriens, c'est la meilleure. Et Dieu a voulu que justice soit rendue à ce niveau. Parce que nous avons pu obtenir 75% à l'entrée en 6e, 75%, et nous caracolons carrément en tête de toutes les écoles des camps. Et la première de notre école est la 7e sur le plan, puisque nous avons passé l'entrée en 6e au niveau du Togo avec une école togolaise. Et cette école qui nous a parrainé, la première de l'école est 7e dans cette école. Il faut dire que c'est une école d'excellence d'abord, il faut le signifier. Et puis c'est dire aussi que ce que nous faisons ici, pour beaucoup qui ne sont pas enseignants au pays, mais qui ici ont reçu une formation dans ce sens, sont en train vraiment de faire un beau travail. Et nous ne pouvons que remercier aussi tout le corps enseignant. Voilà, nous remercions aussi tout le corps enseignant pour tout cela. Et dire un grand merci à tous ceux qui nous viennent en aide. Bonjour, Monique, welcome.
c'est mademoiselle Kwame Charlotte. Donc je suis la maîtresse de CP2. Donc je vous dis merci beaucoup pour le don que vous avez apporté aux enfants. Je crois que vous allez leur donner beaucoup de joie au cœur. Donc soyez salués. Moi je me nomme Coco Flor, je suis la maîtresse de CP1. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Agda Sylvia. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle... Je m'appelle Lévaï Noël. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kwasi Bérémy Junior. Et toi? Je m'appelle Wai Manila. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nyaki Chéri. Je reste, mais je me plante le ciel pour que cela cesse. Abusé, opprimé, massacré, désespéré, mon peuple pousse le cri de la liberté. Y'a du sang qui coule, mon pays s'écroule, mais on s'entend, tout est cool. Qui saura faire passer dans leurs cœurs ensorcelés des mots aux couleurs d'humanité.